Et coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute dernière vidéo. On aurait dit l'intro de Lena Situation. J'espère que vous allez bien, comme vous l'avez entendu, c'est la toute dernière vidéo de mon calendrier de l'Avent. J'espère qu'il vous aura plu, parce que moi il m'a plu. J'ai adoré faire des vidéos tous les jours, même si ça a été très 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 compliqué. Heureusement j'étais pas tout seul, mon frère m'a extrêmement aidé. Bisous à toi, au cas où si c'est encore toi qui fais ce montage. Écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de faire un espèce de petit vlog parce que du coup, à l'heure où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 24, vous la voyez le 25. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. J'espère qu'il n'y a pas eu de trop de familles chiantes. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui fait chier au repas de famille. Ah, il y a toujours quelqu'un qui fait chier au repas de famille, alors j'espère que cette personne n'a pas été trop chiante cette fois-ci. Moi, je ne sais pas encore, on verra bien tout à l'heure. Du coup, là, je me fais un petit masque, j'ai l'impression de faire 6 masques par jour, c'est abusé. Ensuite, il faut ranger la chambre parce que c'est un bordel monstre, c'est n'importe quoi. Et en plus, faut emballer des derniers cadeaux, je crois. On n'a pas fini d'emballer des cadeaux. T'inquiète, c'est pas comme si Noël, c'était dans 4 heures au final. Déjà, faut ranger un peu la chambre, les loups. Et j'ai pris les cadeaux par terre comme si c'était de la merde. Oh! Non mais c'est pas un parfum! Normalement mon masque je dois le laisser poser que 10 minutes sauf que mon frère est en train de se laver du coup je peux pas le rincer. Regardez dans mon avant-dernière vidéo, donc ma vidéo d'il y a 2 jours, je vous fais gagner un iPhone. Je l'ai reçu, donc c'est moi qui vous l'enverrai du coup, donc c'est un iPhone 11. Mais si vous voulez savoir comment participer pour l'iPhone 11, eh bien allez voir cette vidéo. Ça me donne trop faim de samoussa, ça va être trop bon. Bah tu peux aller en goûter un quand même, hein. Allez. Maman m'a dit que je pouvais goûter. Je vais goûter ce que ma mère elle a fait, j'ai le droit. C'est un peu chaud là. J'ai eu de la chance, il y en a 2 qui se sont collés, du coup j'ai eu le droit à 2. Mais bon, mais c'est fou, hein. Et 3 aussi. À quoi? On va bien manger à Noël, moi je te le dis. C'est la fête avec du jambon, mais oui, c'est rien de... Frère, il a tout mis dans sa bouche et moi j'ai rien. Donne-lui un, Fabien. Mais j'ai faux. Pour ceux qui suivent mes stories Instagram, je me suis acheté 2 Barbies. Ne me demandez pas pourquoi, mais je me suis acheté 2 Barbies. Et en fait, Léo adore me les cacher pour que je les retrouve ensuite. Du coup, il me les cache dans ma chambre et je dois m'amuser à les chercher. Voilà, pour tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'on fait de nos journées avec Léo, on s'amuse à cacher les Barbies pour les retrouver. Mais Léo, je t'entends la mettre au-dessus de la porte. Je te jure, la vie de 200% qu'elle n'y est pas. Ok, t'es en train de changer de place, quoi. Et avec les bandes, elle était toute décalée. Du coup, je rappelle le but, c'est que tu trouves... T'as déjà trouvé? Ok, ça. Je vais me préparer. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Un grand malade. Un grand malade. T'as vraiment que ça à faire, Léo. Attends, je vais faire une photo Insta. On a mis notre nouvelle vidéo YouTube avec le rétroprojecteur. Enfin, le vidéoprojecteur, excusez-moi. J'adore. Maintenant que ça c'est fait, t'en as mis un tout petit peu en dessous. Donc là, il faut tapoter le pinceau. Pour enlever la poussière. Regardez le côté TikTok, je sais faire. Par contre, il faut absolument pas que tu bouges. De quoi? Si tu bouges. J'avais réussi. Oui, c'est comme un dessin, faut faire autre. Oui, ils sont très beaux. Voilà comment ça se passe. Je vous explique. Ici, vous voyez, il y a un petit bord comme ça. Bon,
Actuellement, nous sommes le 25 et vu que j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram me demandant de vous montrer mes cadeaux de Noël, je me suis dit que j'allais vous le faire dans cette vidéo. Mais juste avant, vraiment juste avant que je vous présente mes petits cadeaux de Noël, je laisse place à une petite pub. Donc cette petite partie de la vidéo est sponsorisée par RhinoShield, un grand merci à eux. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai vraiment fait plein de partenariats avec la marque RhinoShield. Donc je vous montrerai à l'écran tout ce que j'ai fait avec eux, mais j'en ai fait plein. Maintenant, je pense que vous connaissez tous RhinoShield. RhinoShield, c'est une marque en fait qui vend plein de protections pour les téléphones, que ce soit coque ou que ce soit écran de protection, vous savez les films qu'on rajoute par-dessus. Vous avez plein de coques RhinoShield. Et aujourd'hui, avec mon code FabianCR, vous avez moins 10% sur tout le site de RhinoShield. Déjà, dans un premier temps, sur le site de RhinoShield, vous avez la possibilité de personnaliser vos coques. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis une petite photo avec Léo. Et là, du coup, je vous montre deux fois la même coque, mais en fait, c'est pas deux fois la même. Vous avez ce style de coque qui est, on va dire, les coques les plus classiques, voilà. Vraiment, elles sont très très solides, vraiment ça protège de ouf vos téléphones. Et ensuite, vous avez ce style de coque qui, en fait, le derrière se sépare des contours. Donc la coque se sépare et en fait, ça vous permet de changer en même temps soit le contour, parce que vous avez plein de couleurs disponibles, et en même temps, vous pouvez changer le derrière, comme ça vous fait plein de styles différents. Si un jour, je veux avoir le contour blanc, mais toujours avec cette coque, c'est possible. T'inquiète, Nounette. Mais vous avez également la possibilité de juste garder en fait le contour, du coup ça vous sert de bumper. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais RhinoShield a une deuxième marque. La deuxième marque, c'est Chroma. C'est également une marque qui vend des protections pour les téléphones. Sauf que là, l'éthique de la marque est totalement différente. Les coques sont garanties 100% sans produits chimiques ou métaux potentiellement toxiques pour l'homme. Voilà, je vais devoir vous le dire parce qu'honnêtement, j'arriverai jamais à retenir ces mots de tête. Mais du coup, elles sont sans BPA, sans BPS ainsi que sans BPF. Qualité alimentaire et sûre pour les enfants. 100% recyclable et satisfait les standards de sûreté. Et vous avez toujours mon code FabianCR qui vous donne moins 10% et ce code, il est valable sur RhinoShield ainsi que sur Chroma. Petite page de pub finie, je vous laisse avec mes cadeaux de Noël. Dans un premier temps, Léo m'a acheté une énorme tirelire vraiment à l'américaine, vous savez, les gros cochons. Mais ça va en fait, on n'est pas obligé de la casser, la tirelire, on peut récupérer nos sous par les pattes. Mais vraiment, j'ai trop envie qu'un jour je l'éclate, donc je vais attendre au moins 3 ou 4 ans. Clairement dit, je t'ai acheté cette petite tirelire, enfin cette grosse, hein. Bref, il m'a dit qu'il avait acheté cette tirelire pour que j'apprenne à économiser et pour que je commence à économiser. Ensuite, il m'a acheté ce doudou qui est beaucoup trop mignon, qui est extrêmement doux, je l'adore, il est tout doux. Il m'a également acheté toutes les LED parce que bon là du coup vous le voyez pas, mais j'ai une lignée de LED qui fait tout le tour du toit de ma chambre, du plafond de ma chambre. Je suis trop content parce qu'en plus c'est réglable avec le téléphone, il y a plein de modes et tout, je suis trop content, ça fait trop beau. Je voulais montrer dans ma story Instagram. Et ensuite il m'a acheté cette paire de chaussures, du coup c'est des Nike, genre elles ressortent de ouf, elles sont canon. Je t'aime Léo. Ensuite, au niveau de mes parents, de mes grands-parents et de mon oncle, tout se passe ici. j'ai eu des sous, donc je les ai directement mis dans ma petite tirelire. Comme ça, au moins, je les mets au chaud. Et je me servirai de ma carte bleue et de mon salaire pour dépenser, mais pas l'argent qu'on m'a offert. Donc pour l'instant, j'économise un peu. Mes parents m'ont également fait un petit cadeau en plus. Donc du coup, ils m'ont acheté des bijoux. Donc vous savez, je suis un grand fan de bijoux. Et du coup, ils m'ont acheté des bijoux de la marque Glacé. J'aime trop la marque Glacé. Vous savez, c'est la marque de Romy. Et j'adore les bijoux qu'elle fait. Du coup, elle m'a pris ce modèle. Donc du coup, ça c'est une boucle d'oreille qui se vend seule. Comme une espèce de petite chaîne. Et c'est moitié or, moitié argent. Et j'aimais trop le mélange d'or et d'argent. Et ensuite, ils m'ont pris cette petite paire de boucles d'oreille qui est trop belle. Qui est du coup en or avec plein de petites traces partout. Du coup, elle s'ouvre comme ça. Voilà. Elle est canon. Merci papa, merci maman. Même si je sais que c'est maman qui a eu l'idée. Ensuite, mon frère, il m'a acheté le vidéoprojecteur. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo. Enfin, vous avez pas vu le vidéoprojecteur, mais vous avez vu qu'on a affiché notre vidéo avec YouTube avec Léo. Du coup, sur mon mur, je suis trop content. Parce que, je vais vous déplacer. Ça me permet de regarder des films ou alors des vidéos directement. T'as fini ta game ? MVP. Bravo, bah du coup tu peux te réinstaller, je finis ma vidéo. Bref, du coup j'affiche ici, c'est trop bien. Et également pour faire des TikTok, je vous montrerai quelques petits exemples. Mais ça fait juste un effet trop beau parce que je mets des vidéos genre à esthétique, etc. qui sont trop belles. Et ça rend trop beau. Vraiment, ça rend trop beau, on dirait des pubs de stars. Et pour finir, cadeau de ma belle-sœur, je suis trop content. C'est un mini frigo du coup qui fait également chauffage. Enfin, c'est un frigo mais qui fait froid et qui fait chaud à la fois, je suis trop content. Et c'est un mini frigo pour qu'on puisse mettre tout ce qui est soin, tout ce qui est masque,
tout ce qui est ouais, soins, crème, etc. Donc tout ce qui se conserve un peu mieux au frais ou tout ce qui fait du bien. De mes beaux-parents du coup, les parents de Léo qui est ici présent, ils m'ont également fait un cadeau de Noël. Donc en fait ils m'ont fait un coffret Nocibé avec plein de produits qui sentent déjà super bon. Donc premier produit, nous avons un diffuseur que j'ai déjà installé dans ma chambre, donc c'est pour ça qu'il est ouvert et qu'il n'est pas dans le coffret. Ça sent trop trop bon. Donc en fait c'est un coffret genre senteur mer. Ça sent trop trop bon. Dans ce coffret j'ai eu un gommage, une petite crème pour les mains, une mousse de douche. Je me suis jamais lavé avec une mousse de douche, mais Léo m'a dit que c'était vraiment super agréable. Et nous avons une pastille pour les bains. Donc ça c'est pour faire nos meilleurs bains quand on ira à l'hôtel. Et pour finir, je sais que ma cousine m'a acheté un bijou, mais malheureusement elle avait pas reçu. Donc je vais l'attendre. De toute façon je vous montrerai dans ma story Insta qu'est-ce qu'elle m'a acheté. Mais du coup j'attends et je suis impatient. Et maintenant place au dernier cadeau de mon calendrier de l'Avent. Du coup ça y est, c'est fini. Et pour ce dernier concours, nous avons un coffret, un trop trop beau coffret de la marque Coach. Voilà, donc en gros c'est un coffret de parfums. Et aujourd'hui il y aura 4 gagnants si je me trompe pas. Et dans ce coffret qui est déjà super super beau, nous avons une pochette qui est magnifique, je suis fan de la pochette. Et ensuite nous avons le parfum. Donc c'est une eau de parfum qui fait 90 ml. C'est trop trop bien. Et ensuite nous avons un mini appareil photo jetable. Alors ça c'est iconique, hein. Alors franchement j'ai jamais vu des coffrets de parfum avec un appareil photo jetable, ça je suis trop content. Et le parfum d'ailleurs il sent super bon. Il a une odeur assez un peu florale mais sucrée, donc ça sent trop trop bon. J'aime trop. Et pour participer, c'est comme d'habitude, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram. Vraiment merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis le premier jour, ou même tout simplement ceux qui me suivent depuis même un petit moment, enfin bref, tous ceux qui ont regardé mes vidéos YouTube, merci, merci, merci beaucoup. J'ai déjà hâte ma prochaine vidéo YouTube. Voilà, parce que je sais que YouTube ça va me manquer là, parce que là pendant 25 jours, oh, ça a été ouf hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos YouTube, et n'hésitez pas à mettre vos idées de vidéos d'ailleurs en commentaire, ça peut toujours servir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis... Je sais pas pourquoi mais ça s'est coupé juste là, mais du coup je vous disais, bah je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao. Il y a la fumée derrière moi, c'est ma mère qui fait le linge. Bisous.